En termes statistiques, le Japon n'échappe pas à la règle. Le nombre de tueurs en série par rapport aux tueurs y est bien plus bas et ne relève pas du tout des mêmes motivations. Si le pourcentage de serial killers femmes est de 16% aux États-Unis, on le situe selon les études aux alentours de 6% au Japon. Dans ces 6%, bon nombre agissent en couple, comme Ogata Junko, dont je vous ai déjà parlé dans l'affaire des amants démoniaques de Kitakyushu, agissent dans un cadre hospitalier comme Ishikawa Miyuki, l'ange blond tueuse de bébés, dont je vous parlerai sans tarder, ou s'en prennent à leurs propres enfants. Les meurtres commis par les femmes sont en majorité commis dans le cadre familial et le poison arrive en tête des méthodes utilisées. Les motivations sexuelles dominatrices, sadiques ou nécrophages sont inexistantes chez les tueuses en série japonaise. En oubliant les femmes qui tuent en binôme avec leurs compagnons, il ressort que la majorité, voire l'entièreté des meurtrières en série japonaise, ont agi par vengeance amoureuse ou par profit. Il ne s'agit là en aucun cas d'un avis quelconque, mais d'une réalité statistique. Dans mon dernier livre, je vous exposais le cas de Heto Satiko, la gourou qui tua six de ses adeptes par fanatisme religieux et qui constitue une exception. Je vous en parlerai plus en détail cette année dans une vidéo dédiée. Le cas dont je vais vous parler aujourd'hui est celui de Ueta Miyoki, une affaire qui défraya la chronique en 2009 après qu'elle fut accusée du meurtre de 6 de ses amants. Cette affaire qui braqua les projecteurs de la presse puis de la justice sur un Japon délaissé pour compte que le pays ne voulait pas voir, posa une nouvelle fois la question de cette société du paraître qui pousse les plus fragiles à commettre l'irréparable. Oetamioki est né le 15 mai 1974 à Totori dans la région de Tyogoku à l'ouest du Japon, la région la moins peuplée de l'archipel. Son père était ingénieur en génie civil et gagnait plutôt bien sa vie. Homme calme et discret, il adorait sa petite Miyuki à lui passer tous ses caprices. Sa mère dénotait totalement de son époux. Femme extravertie aux tendances alcooliques et violentes, elle fut à l'origine de nombreux conflits matrimoniaux dont certains se finirent violemment. Physiquement plus forte que son mari, il lui arrivait régulièrement de le battre même devant Miyuki et son frère. Les enfants n'échappèrent pas au châtiment corporel. Usé par le stress et le travail, son père mourut subitement de karoshi, une mort par surmenage professionnel, un mal qui décimait déjà le monde du travail dans les années 80. La mère ne travaillant pas, la famille Oeta se retrouva sans ressources et ce fut le frère du chef de famille qui prit tout le monde en charge. À partir de ce moment, la petite Miyuki changea radicalement de caractère, marchant sur les traces de sa mère. Il faut dire que l'ambiance avait changé au sein du foyer. L'oncle protecteur, travailleur acharné, n'était quasiment jamais à la maison et se contentait de payer le loyer et les factures. La mère, elle, arrondissait les fins de mois en se prostituant dans des bars à hôtesses, les snacks, et ramenait fréquemment ses nouveaux amants chez eux. A l'école, Miyuki était violente avec ses camarades et répondait quotidiennement à ses professeurs. Peu intéressée par ses études, elle commença à faire l'école buissonnière à la fin du primaire et à voler dans les magasins. Des voisins la surprirent à plusieurs reprises chez eux, fouillant dans les placards à la recherche d'argent ou de quelque chose à voler. Loin de s'excuser, elle insultait les victimes de ses agissements et les menaçait de représailles. Elle passa à l'acte une paire de fois lorsqu'un voisin porta plainte, attirant la police chez elle pour la première fois et une sévère correction de l'oncle qui, pour une fois, voyant la réputation de la famille ternie, s'intéressait à elle. Enragée par cette situation, Ouetta tenta de mettre le feu à la maison des voisins délateurs, puis, n'y arrivant pas, creva les pneus de leur voiture et jeta des pierres dans les fenêtres. Bientôt elle fut détestée et parfois crainte par le voisinage. À son entrée au collège, elle traînait régulièrement avec une petite bande d'apprentis voyous plus âgés, fumant, buvant de l'alcool et flirtant. Suivant l'exemple de sa mère, elle commença à gagner son argent de poche en monnayant ses charmes juvéniles. Elle connut son premier amant à 13 ans, un motard Bosozoko de 25 ans, qui alimentait le petit groupe de mineurs en alcool et en cigarettes, et entretint une relation de quelques mois avec l'homme, asseyant son statut de leader sur sa petite bande. À l'adolescence, elle fréquentait régulièrement de jeunes voyous sans envergure et les gangs de motards locaux, et finit par avoir des ennuis avec la police après de multiples arrestations pour racolage, ivresse sur la voie publique et violence volontaire. Elle dut quitter Tottori à la fin du lycée et partir s'installer à Osaka avec son petit ami, un soldat des forces d'autodéfense japonaises de 10 ans son aîné. Le couple tint 4 ans et deux enfants naquirent de cette union. Mais les infidélités de la jeune mère eurent vite raison de leur union et ils divorcèrent. Miyuki se retrouva mère célibataire de deux enfants à 22 ans. À cette époque, déjà un trait ressorté de sa personnalité. Elle n'était pas, selon les critères habituels, ce que l'on pouvait appeler une belle femme, plutôt bien en chair, avec un double menton triomphant et de petits yeux, sans élégance et avec une gouaille proche de la vulgarité poissonnière. Mais quelque chose chez elle attirait les hommes. Certains diront que c'était son sourire bienveillant et sa capacité d'écoute, d'autres parleront plutôt de performances intimes plutôt étonnantes. Toujours est-il qu'elle avait un aplomb certain et un bagout hors pair. Lors de ses soirées en ville, elle rencontra un brave garçon, employé de bureau modeste et célibataire endurci, avec qui elle entama une relation d'abord tarifée, puis régulière. Quelques mois plus tard, elle se retrouva enceinte et il l'épousa. Comme pour son premier mariage, celui-là fut une catastrophe. Trompé et humilié par les révélations sur sa femme, dont les collègues de travail connaissaient les tarifs et les disponibilités, le mari trompé demanda le divorce et, devant la réaction physiquement violente de sa femme, s'enfuit sans laisser d'adresse. Entre-temps, ils avaient eu deux enfants et Miyuki se retrouva une fois de plus mère célibataire, mais avec quatre enfants. Refusant de la prendre en charge avec quatre bouches de plus à nourrir, sa mère lui trouva du travail dans un bar à hôtesse de Tottoli. L'endroit était loin de ressembler à l'idée que l'on se fait des bars de nuit où le champagne coule à flot et où les filles, payées au bouchon, s'habillent chez les grands couturiers. La clientèle était faite d'hommes sans grands moyens qui venaient s'encanailler après le travail et vider quelques bières en galante compagnie. Il convient d'ailleurs de revenir sur ces endroits dont je vous parle si souvent dans mes vidéos et mes écrits, les fameux snacks. Si certains sont relativement agréables et confortables, il faut bien avouer que la grande majorité de ces établissements relèvent plus du boui-boui-malaison que du bar de grand hôtel. Endroits exigus, imprégnés d'odeurs de tabac froid et d'alcool, ils sont toujours tenus par des femmes, pendant discount des mamas de bar à hôtesse des Yakuza. Souvent indépendante, elle relève toutefois, dans la majorité des cas, d'une référente qui s'assure auprès des gangs locaux en collectant une petite contribution mensuelle. Dans ces établissements, on y fait du karaoké toute la nuit, on y boit beaucoup, mais plus de bière que de champagne, et on y monnaie la conversation de filles du pays, de celles qui n'ont pas été prises dans les bars des grandes villes, les maisons closes des quartiers chauds ou les agences d'escorte. Pour un billet de plus, la conversation peut se terminer à l'horizontale, souvent à l'arrière d'une voiture, dans un Love Hotel à 10 euros de l'heure, ou même sur un canapé de l'établissement, une fois un petit rideau tiré. Miyuki y trouva vite sa place et se fit rapidement une clientèle. Les journalistes locaux, les policiers, les employés de bureaux, tous se disputaient sa compagnie et lui laissaient un billet contre quelques faveurs, mais les gains restaient faibles. Elle tomba à nouveau enceinte par accident et accoucha de son cinquième enfant, ce qui lui valut d'être prise en charge par les services sociaux. On lui trouva également un logement à loyer modéré, 25 000 yens par mois, environ 210 euros, et elle eut droit à une allocation de l'État pour l'aider à élever ses enfants. Elle y aménagea avec toute sa famille, mais la petite maison devint vite un taudis et les ordures s'accumulèrent dans le petit jardin et autour de la demeure. Très peu intéressée par les choses domestiques, et les psychiatres en charge de son expertise le découvriront atteinte du syndrome de Diogène, elle dira n'avoir jamais passé un coup de balai ou nettoyé une assiette durant tout son séjour dans ses murs. Lors des perquisitions, les enquêteurs trouvèrent même des sacs poubelles empilés dans certaines pièces de la maison où vivaient également trois chiens et cinq chats, dans une saleté absolue au milieu de la vaisselle sale et des déjections. Uetamiyoki reprit son travail d'hôtesse et tomba amoureuse d'un client régulier, un homme de 47 ans, lié à la pègre locale et qui pratiquait l'extorsion de fonds et le proxénétisme occasionnel. De client, il devint amant, puis, mu par une moralité aussi mince que la soie de ses chemises, se proposa de reprendre les affaires et négocia la jeune femme auprès de sa maman. Très vite, l'homme vint habiter le taudis familial et partagea la vie étrange de sa compagne et de ses cinq enfants. À trente ans, Miyuki connaissait parfaitement les ficelles de son métier, mais poussée par son nouveau mentor, elle souhaitait monter en gamme et gagner plus d'argent. Dépensière pour elle, pas pour ses enfants, elle aimait les vêtements de marque, le champagne et les palaces, mais ne les fréquentait que peu eu égard à sa chiche clientèle. Consciente qu'elle ne pourrait pas postuler dans un bar à hôtesse haut de gamme, elle décida de changer de braquet et passa à l'escroquerie. Début 2004, elle avait comme client régulier un certain Seo Akira, 42 ans, journaliste dans un quotidien local. L'homme, célibataire et sans enfant, n'avait pas de vie sentimentale à proprement parler et fréquentait régulièrement le snack dans lequel elle travaillait, dépensant son salaire pour un peu de compagnie et quelques bières. Il ne payait presque jamais pour ce que la mama appelait la formule complète, mais ayant repéré sa voiture neuve, ses vêtements de bonne qualité et ses récits de week-end dans de beaux endroits, Miyuki, la patronne et son amant souteneur décidèrent de faire payer ce client radin. Elle lui fit son numéro de charme et commença à jouer sur la corde sensible, son célibat et son envie de rencontrer l'âme sœur. Elle commença à lui jouer le jeu de l'amour et, s'il pouvait avoir une relation exclusive, lui promit d'arrêter son métier pour n'aimer que lui. Lui parlant de sa vie misérable de mère célibataire, elle commença à lui emprunter de l'argent, d'abord de petites sommes pour nourrir ses enfants, puis des montants de plus en plus importants. En accord avec son compagnon et complice, elle aménagea chez Seo et en quelques semaines vida ses comptes en banque. Pris à la gorge, le journaliste dut commencer à emprunter de l'argent à ses collègues et à ses amis, mais les sommes n'étaient jamais suffisantes pour la jeune femme et la source financière se tarit. Les relations devinrent houleuses entre les deux amoureux et Seo CO commença à demander à sa compagne de lui rembourser l'argent qu'il lui avait prêté, acculé par ses créanciers. Le 13 mai 2004, le journaliste se jeta sous un train, une lettre d'adieu dans la poche. J'ai été heureux avec toi Miyuki, tu m'as appris l'amour. La police conclut rapidement à un suicide et classa l'affaire. Lors du procès de Miyuki en 2010, la justice rouvrit le dossier et y trouva de nombreuses preuves l'incriminant, remettant notamment en cause l'authenticité de la lettre grâce à des expertises graphologiques, mais aussi en mettant la main sur de nombreux faux en écriture. Quelques jours avant son supposé suicide, Seo avait fait une demande auprès d'un grand journal de Tokyo et avait été embauché à compter du mois suivant. De plus, les différents témoignages des personnes présentes au moment du suicide, notamment un chef de quai, parlent d'une jeune femme à ses côtés et la décrivent d'une façon qui ne peut que faire penser à Ueta. Alors que sa relation avec Seo touchait à sa fin, elle fréquentait aussi et régulièrement un jeune père de famille de 27 ans, Frota Shinichi, malheureux dans son couple et qui trouvait du réconfort et de la sensualité auprès d'elle. Elle opéra avec lui de la même manière qu'avec Seo et commença à lui soutirer de l'argent en plus des prestations tarifées. À grand renfort de promesses, de vie à deux et de relations exclusives, elle lui fit prendre un pied à terre en ville où il se retrouvait régulièrement. Bien entendu, Furuta ne savait rien de sa vie maritale et parallèle et dut attendre le décès de son concurrent pour s'installer avec celle dont il était tombé désespérément amoureux. Cette relation durera 6 ans en parallèle avec d'autres et Miyuki réussira à le mettre sur la paille. En plus des emprunts et des cadeaux somptueux qu'elle se faisait faire, elle subtilisait régulièrement ses livrets bancaires et, après avoir réussi à se faire faire un inkan, un tampon, identique en tout point à l'original, tira de petites sommes, mais à rythme régulier sur les comptes de la famille Furuta. Il dut quitter sa femme et ses enfants et aménagea brièvement avec sa maîtresse, quelques mois après le décès de Seo, creusant un peu plus ses découverts. Pendant cette période de cohabitation, la jeune femme lui soutira tout l'argent qu'elle put, allant jusqu'à le torturer en lui versant de l'eau bouillante sur le corps. Mais Furuta réussit à reprendre pied et la quitta pour revenir avec sa femme et ses enfants, lui demandant lui aussi de lui rembourser les fortes sommes d'argent qu'il lui avait prêtées. Bien entendu, elle en était bien incapable et ne l'envisageait même pas. Durant leur longue relation, Miyuki avait glané un grand nombre d'informations personnelles sur le jeune père de famille, espérant le faire chanter si d'aventure il s'avisait de la quitter ou de lui couper le robinet habillé. Elle savait notamment qu'il ne savait pas nager, malgré son amour de la mer, et avait eu quelques frayeurs lors de ses sorties en famille. On le sait grâce au carnet que Oeta alimentait régulièrement de ses réflexions et de ses notes, et où elle nota clairement. Shinichi ne sait pas du tout nager, il a peur de l'eau et panique facilement dès qu'il se baigne. Le 18 août 2007, alors qu'il était sur la plage avec sa femme et ses enfants, il s'éloigna derrière des rochers semblant avoir vu quelque chose ou quelqu'un. Il sera retrouvé noyé, flottant derrière les dunes dans 20 cm d'eau. Là aussi, les enquêteurs découvriront le lien entre Oeta et la victime bien après son arrestation et rouvriront le dossier. Ils y découvrirent encore nombre d'éléments incriminants, bien qu'il n'y ait pas de preuves directes de son implication dans la mort de Foluta. Mais un autre de ses clients réguliers, Sakai Hoitsu, un officier de police de Tottori, connut lui aussi une fin tragique. Il fréquentait le snack où elle travaillait depuis des années et était un client fidèle et régulier de l'établissement, monnayant même sa protection et l'indulgence de sa brigade contre quelques faveurs. Cet homme de 55 ans, marié et père de famille, tomba sous le charme très particulier de Miyuki peu de temps après son arrivée dans l'établissement. Elle refusa ses avances non tarifées et lui tint tête avec une gouaille qui le séduit. Et puis elle pouvait rivaliser avec lui dans les concours de boissons, l'humiliant à plusieurs reprises à un whisky challenge. Elle gagna sa confiance et bientôt se retrouva dans son lit, billet sur la commode. Peu fortunée et un peu radin, elle eut du mal à lui soutirer plus que de quoi acheter un petit bijou de temps en temps ou un dîner dans un restaurant étoilé. Mais il l'aimait bien et se confiait volontiers à elle. Sur l'oreiller, il commença même à lui faire part de la façon peu orthodoxe dont il arrondissait ses fins de mois et avait pu se payer son petit bateau de pêche, son rêve de futur retraité. Nuit après nuit, il lui révéla de plus en plus de choses peu en accord avec le règlement, et une idée germa dans le cerveau machiavélique de Miyuki. Ne pouvant se faire entretenir par le flic véreux, Ouetta commença à le faire chanter et à lui soutirer régulièrement de grosses sommes d'argent. Grâce à un petit enregistreur numérique placé sous le lit, elle avait suffisamment de preuves pour le faire tomber s'il arrêtait de l'arroser régulièrement. Il vida son compte d'épargne, puis le livret bancaire de la famille, hypothéqua sa maison et vendit même son précieux bateau. En février 2008, alors que sa femme et sa hiérarchie commençaient à lui poser beaucoup de questions, Sakai fut retrouvé pondue à un arbre. Classé comme suicide, l'affaire fut également rouverte lors de l'enquête et de la découverte du lien qui unissait le policier et la prostituée. Les enregistrements et des extraits bancaires furent retrouvés dans le bazar atroce de la famille Oeta, ainsi que des photos les montrant tous les deux, parfois dans des situations qui ne faisaient que peu de doutes quant à la nature de leur relation. Un an plus tard, c'est un autre de ses clients réguliers, Yabe Kazmi, 47 ans, chauffeur routier, qui paya de sa vie sa relation avec elle. Lui aussi client de l'établissement dans lequel elle travaillait, il s'était pris d'affection pour elle et la demandait pour lui tenir compagnie à chaque fois qu'il rentrait de tournée. Divorcée et sans enfant, elle sentit là aussi le coup fumant et jeta son dévolu sur le malheureux. Séductrice et très efficace une fois sous les draps, elle l'attacha à elle grâce à cela et avait racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui faisait découvrir des choses qu'il ne soupçonnait même pas. Très vite, elle sut se rendre indispensable et suivit l'homme dans tout ce qu'il aimait, c'est-à-dire les matchs de baseball, la pêche et la très grande consommation d'alcool. Une fois le poisson ferré, elle commença à lui parler de ses enfants, de sa difficile situation de mère célibataire et surtout de ses soucis d'argent et sa peur de ne pas pouvoir payer son loyer ni nourrir ses enfants. L'engrenage des petits dons d'argent, suivi très vite de petits prêts, puis de sommes plus importantes étaient lancées. Début 2009, elle lui demanda un prêt garanti par un faux certificat de propriété sur sa maison, prétextant devoir faire d'importants travaux pour le confort de ses enfants. Le but était en réalité de financer une semaine à Tokyo, dans un palace, pour une vente privée de grands couturiers. Victime de ses emprunts réguliers et à fond perdu, Yabe se retrouva sans le sou et son attitude changea face aux peu d'explications que lui fournissait Miyoki sur la destination des fonds et surtout sur son emploi du temps quand il ne se voyait pas. Sentant que le mouton était tondu à ras, elle commença à se détourner de lui et le vit de moins en moins, demandant à la mama de dire qu'elle était prise lorsqu'il venait au snack. Désespéré, puis agacé et enfin irrité, il la menaça de porter plainte si elle ne lui rendait pas la forte somme d'argent qu'il lui avait prêtée, reconnaissance de dette à l'appui. Son corps fut retrouvé le matin du 11 avril 2009, flottant sur les rives de la mer du Japon à Hokkouei, tout près de l'endroit où il avait l'habitude de venir pêcher. Une autopsie fut réalisée par les autorités locales et des éléments de preuve vinrent invalider la thèse du suicide. Tout d'abord, la grande quantité de somnifères dans son organisme, mais aussi l'absence d'eau et la présence de sable dans ses poumons, prouvant qu'il était mort avant d'être immergé. Enfin, la police trouva des traces d'abrasion sur ses poignets et son cou. Une enquête pour meurtre fut ouverte et la police commença à faire quelques recoupements liés à ses activités des derniers mois précédant sa mort. Les témoignages, preuves et indices qu'ils amassaient jour après jour les menaient systématiquement vers le bar à hôtesse. À cette période, Oeta fréquentait aussi deux autres hommes de façon régulière. L'un d'entre eux, Mariyama Hideki, 57 ans, riche patron d'une grande surface d'électroménager, était lui aussi très amoureux. Veuf et seulé, il ne l'avait pas rencontré au snack, mais dans un restaurant de la ville où il avait ses habitudes. En chasse, elle avait remarqué que l'homme dînait seul et se payait les meilleurs plats et boissons de la carte, sans compter prétextant de l'avoir déjà vue quelque part elle vint s'asseoir à sa table et lui fit son numéro de charme elle changea sa légende pour lui comme le font les espions et se présenta comme une pauvre orpheline en charge de cinq enfants sans emploi et désespérée dès lors ils se virent toutes les semaines et il lui payaient tout ce qu'elle voulait et venait même la voir régulièrement chez elle malgré l'aspect repoussant du lieu Choqué par l'insalubrité de son logement et l'impossibilité pour lui d'imaginer la femme qu'il aimait et ses enfants dormir et vivre dans un endroit pareil, il lui donna la somme de 1,4 million de yens, environ 11 000 euros, pour l'aider à déménager avec sa famille dans un endroit plus décent. Elle prit la somme bien volontiers, mais la destinait à un tout autre usage. Sitôt les billets en poche, elle partit pour Tokyo où elle passa des jours dans les boutiques de luxe et les restaurants chics. Voyant qu'elle ne faisait rien pour trouver un logement et afficher des tenues et des bijoux hors de prix, il en prit ombrage et lui réclama le remboursement de la somme. Début octobre, et ne voyant toujours rien venir, il la menaça d'aller voir la police, ayant appris entre-temps ses activités rémunérées et horizontales dans un snack de la ville. Le 7 octobre 2009, la police retrouva son corps, battu à mort et flottant sur une rivière de 30 cm de fond. L'autopsie révélera également des traces de somnifères dans son organisme et des abrasions au niveau du visage et du cou, indiquant qu'il avait été noyé volontairement et s'était débattu vigoureusement avant de mourir. Dans les semaines qui suivirent l'ouverture de cette deuxième enquête pour meurtre, les premiers liens avec Oeta furent établis et le système GPS de la voiture de la victime indiqua qu'il s'était rendu à son domicile à de nombreuses reprises. La nature identique des barbituriques retrouvés dans l'organisme des deux victimes questionna également les enquêteurs et une foule de petites coïncidences commençait à donner de gros indicateurs à la police, indicateurs qui resserraient le filet vers l'établissement de plaisir et ses employés mais même si tout laissait à penser que le snack était le point commun entre ces deux victimes, la brigade criminelle de totoli privilégiait la piste d'un client qui aurait eu un lien quelconque avec les deux malheureux, des histoires d'argent, de jeux ou de rivalités amoureuses. alors ils installèrent une surveillance discrète devant l'établissement, espérant y coincer un client connu de leur service. L'autre homme qui eut le malheur de croiser la route et les bras de Miyoki était Tagoti Kazumi, un homme de 58 ans, sans emploi stable et que l'on soupçonnait avec raison de travailler pour la pègre locale. Il se payait les soirées tarifées de l'hôtesse au bar où elle travaillait, mais il lui rendait aussi régulièrement visite chez elle. Une espèce de complicité criminelle s'était liée entre eux sans qu'ils ne sachent rien des véritables activités de l'autre. Il lui arrivait souvent d'y rester dormir, voire d'y rester plusieurs jours. Elle lui donna même un double de ses clés. Petit à petit, cette relation se transforma en quelque chose de plus trouble, et à force de nuits ensemble et de litres vidés, ils commencèrent à parler. Lui avouant avoir déjà effectué des tâches violentes pour les Yakuza et être prêt à recommencer, elle se confiant un peu et lui avouant quelques petites magouilles de sa part, sans donner plus de détails et en se gardant bien de parler de l'issue fatale qui attendait ses proies. Prétendant recevoir des menaces de certains clients, elle envoya intimider quelques faisans et, on le sait maintenant, toucher quelques bons aux porteurs et bijoux volés à ses victimes auprès de ses amis gangsters de la capitale. Taguchi l'a mis sur la piste de bons pigeons à plumer, de ceux qui fréquentaient les cercles de jeu et cherchaient à fuir la routine de leur foyer, et elle se lança dans le racolage en milieu mafieux, nouvelle corde à son arc. C'est à cette période que Maruyama, son riche prétendant, se montra trop menaçant et mourut dans de sombres circonstances. Avec le recul, les indices et preuves scientifiques trouvées sur place, il ne fait aucun doute que Taguchi a été en contact avec la victime d'une façon ou d'une autre. Selon les différentes défenses de Ueta, il fut soit le cogneur qui essaya d'intimider pour lui faire renoncer à ses envies de police, soit celui qui le noya. En septembre, il emprunta la voiture de Miyoki pour faire une course, mais il eut un grave accident de la circulation, juste en face de la gare de Tottori. Il s'en sortit plutôt bien, quelques fractures et échymoses, et Ueta s'occupa de lui pendant sa convalescence. Mais un mois plus tard, le 27 octobre, alors qu'il était presque tiré d'affaire, il tomba dans un profond coma et mourut. Étant donné les liens connus que l'homme avait avec le milieu, il eut une enquête et des examens après cette mort suspecte. L'autopsie révélera une forte dose de médicaments dans son organisme, dont le barbiturique retrouvé sur les deux victimes précédentes, mais aussi un pesticide vendu en grande surface et du colir, cette solution pour les yeux hautement toxique si elle est ingérée. L'analyse de ses déplacements et de ses rencontres pendant les dernières semaines de sa vie fut faite et, une fois encore, le lien avec Oeta fut clairement établi. La police avait tous les éléments pour l'interpeller et lui poser un million de questions sur ses liens avec ces hommes qui tombaient les uns après les autres et qui avaient tous pour point commun d'avoir séjourné dans ses bras, mais ce ne fut pas cela qui la fit tomber. Toutes ces années, en plus de ses activités d'extorsion auprès de ses clients, elle empruntait régulièrement de l'argent à ses collègues et même à sa patronne. L'une d'entre elles, qui en avait marre de courir après les 1,26 millions de yens, environ 9500 euros, qu'elle lui avait prêtés et possédait tous les documents pour établir l'arnaque dont elle était victime, porta plainte contre Oeta. Le 2 novembre 2009, la police l'arrêta pour escroquerie, trop heureux d'avoir une raison de la garder à vue. Son domicile fut perquisitionné et les enquêteurs y retrouvèrent toutes les preuves nécessaires pour l'allier aux six disparus, notamment les mêmes somnifères que se retrouvaient dans les organismes de plusieurs victimes, une quantité importante de pesticides et de collyres semblables à celui retrouvé dans le sang de Tagotti. Elle n'y a tout en bloc dans un premier temps, invoquant sa présence répétée auprès de ces hommes à cause de son métier. Mais en épluchant ses comptes, ses historiques de retrait et de paiement, et en les recoupant avec les témoignages par dizaines qui arrivaient dans le bureau du juge, elle fut placée en détention provisoire le 28 janvier 2010 et mise en examen pour vol aggravé, escroquerie et meurtre. Son procès commença en mars 2012 et dura dix mois. Même si les liens avec toutes les victimes furent établis sans aucun doute, le manque de preuves directes l'incriminant dans les six meurtres fit qu'elle ne fut condamnée que pour trois d'entre eux. De nombreux experts et témoins se bousculèrent à la barre, mais il faut bien le dire, très peu pour plaider en sa faveur. Après toutes ces années, elle avait réussi l'exploit de se faire haïr de toutes et tous, à tel point que sa propre mère la chargea elle aussi, sans doute pour se dédouaner de la responsabilité qu'elle portait dans le destin meurtrier de sa fille. Le 4 décembre 2012, le juge Noguchi Takashi la condamna à mort. Elle fit appel de la sentence sans qu'aucun élément nouveau ne vienne étoffer le dossier de sa défense, alors la haute cour de Hiroshima confirma la sentence en appel le 20 mars 2014. Mais soutenu par un mouvement populaire créé par des associations de travailleuses du sexe et paradoxalement des ligues chrétiennes abolitionnistes, ces nouveaux avocats saisirent la Cour suprême et le procès Fleuve se poursuivit. Des experts furent chargés de vérifier toutes les preuves matérielles à nouveau, les ADN furent tous comparés, les empreintes scrutées à nouveau et les écoutes réécoutées. Un juriste spécialiste des procédures nota des infractions au code et fit invalider une fouille effectuée au domicile de Ouetta en dehors des heures légales et sans sa présence. Sortie du dossier, cette preuve clé mettait à bas toute la logique et le rayonnement appuyé par les enquêteurs et elle fut déchargée de l'un des meurtres. Un second procès reprenant tous les éléments du premier, moins les preuves invalidées, commença le 27 juillet 2015. Koike Hiroshi, juge à la Cour suprême, confirma la condamnation à la peine capitale pour les deux meurtres le 23 août. En 2021, elle est toujours dans le couloir de la mort de la prison de Hiroshima et attend son exécution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et sur Twitch. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip ou en visitant ma boutique Spreadshirt et encore en commandant mon dernier livre dédicacé et directement en message privé. Allez, je vous laisse. J'ai d'autres dossiers à compulser. Matané!